tous. Donc aujourd'hui sur Bien-être TV, donc on reçoit Agnès Vieira. Bonjour Agnès. Bonjour Sandra, Donc Agnès, ravie d'être avec toi. oui, mais moi aussi, on est ravis de t'accueillir sur la chaîne puisque tu deviens partenaire. Donc c'est un grand plaisir d'interviewer Agnès aujourd'hui. Donc Agnès, explique-nous ce que tu fais, quelle est ta spécialité et donne-nous aussi quelques éléments sur ton parcours. Ça m'intéresse. Alors, je suis consultante coach spécialisée en équilibre mental et performance mentale. Alors, je vais faire court. Pourquoi cette orientation? C'est que je me suis formée je dirais, en épigénétique et en neurosciences. Je suis certifiée en neurosciences, d'accord? Et j'ai toujours été passionnée par le domaine un peu médical, connaissance de soi, même au niveau physiopathologie, puisque je suis issue du milieu médical, de l'industrie pharmaceutique, donc pendant 22 ans, Ah pendant oui. 13 ans en cardiologie. Ouais. Donc, c'est un milieu dans lequel j'ai grandi, on va dire, professionnellement. Donc, comprendre l'humain dans la mécanique, déjà, pour moi, c'est important. Oui. Voilà. Alors après, toute la dimension cognitive et émotionnelle, ça s'est amplifié, on va dire ça comme ça. Surtout quand je suis tombée en fait une vidéo qui m'a énormément marquée il y a maintenant 9 ans, d'accord? 9 ou 10 ans, presque 10 ans, mais pas tout à fait 10 ans, qui parlait qu'on avait des neurones au niveau du cœur. Et ça m'a marquée, pourquoi? Parce que j'étais en cardiologie justement. Et là, je me dis, c'est quoi ce délire? C'est l'expression qui est venue. Hein? Ah, c'est C'est super. quoi ce délire? Et Les excuse-moi, neurones. je te coupe Agnès 2 secondes par rapport à ça. Oui. C'est super parce que moi, j'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps. Allez, il doit y avoir même pas 6 mois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais. Donc peut-être que tu pourras nous en parler dans une chronique ou dans une vidéo, ce serait génial. Enfin voilà, je te laisse continuer parce que voilà, je Oh, suis. ben. Dans tous les cas, moi aussi, ça m'a complètement ouvert les yeux comme ça, j'ai fait, c'est pas vrai. Et de là, est née carrément une volonté de comprendre. Je lui ai dit, mais à quoi ils servent ces neurones? Pourquoi on a des neurones au niveau du cœur? En plus, j'ai voulu un petit peu comprendre où se situaient ces neurones, parce que comme j'avais fait physiopathe au niveau du cœur, c'est bizarre, combien on en a? On en a à peu près 40 000. Ah ouais. Et ma réflexion, c'était, si sont là, c'est pour quelque chose. Ils ne sont pas là pour la déco, hein. Je disais souvent en rigolant, on n'est pas chez Valérie Damido, hein? Ils sont là pour quelque chose. Et de là, il a commencé une quête. En fait, il y a 10 ans, j'ai voulu comprendre à quoi servaient ces neurones. Et j'ai été de plus en plus curieuse. Et j'ai orienté ma carrière, donc il y a 10 ans, j'ai appris les études pour me spécialiser en neurosciences, donc pour devenir coach en neurosciences. Et me faire beaucoup de formations et assez passionnée par l'épigénétique aussi. Donc, tout ça, la physique quantique. En fait, la science m'a toujours accompagnée. Elle continue aujourd'hui. Elle me donne beaucoup de clés pour transmettre la connaissance de soi, des mécanismes physiologiques, cognitifs, émotionnels, d'accord, pour pouvoir mieux les transmuter, mieux les utiliser. Je dis souvent, c'est utiliser les rênes de son mental comme si on était assis sur le cerveau et tac, on prend les rênes et on tourne le cerveau vers une direction bien appropriée. Là où ça nous fait du bien, là où on n'a pas l'impression d'être complètement happé par notre mental qui nous joue des tours, la charge mentale, qu'on n'arrive pas à dompter, on a l'impression que c'est inéluctable, c'est ça, de toute façon les pensées, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, alors tout va, tout ça. Et donc de là, je me suis formée, j'ai changé, j'ai ouvert mon cabinet donc, de coach il y a maintenant 6 ans. Et j'interviens donc en entreprise, donc cabinet, en ce moment avec le confinement, pas trop, Et hein, oui. comme tout le monde, et en entreprise ou en visio. Maintenant, j'ai développé une autre approche qui est le coaching en visio. Avant toutes ces, je dirais, ce qu'on vit en ce moment assez atypique, le confinement, le Covid, j'intervenais également dans le milieu hospitalier, en milieu carcéral également. En Ah milieu oui. carcéral depuis cette année, c'était tout récent, Bravo. en février 2020. Une très belle expérience,
mais juste de démarrer, mais qui m'a, on va dire, l'élan a été coupé par rapport à ce qu'on vit là. Mais j'espère en 2021 poursuivre ce protocole, en tous les cas. Voilà, c'est en gros, les champs d'ouverture dans lesquels j'interviens, c'est en entreprise, à l'hôpital, pour le corps médical, et dans mon cabinet pour le particulier. D'accord. Et voilà. Et récemment, j'ai créé une nouvelle méthode que je propose sur le web depuis là, juste en revenant de vacances. Alors, tu vas nous en parler un petit peu. C'était ma question suivante. Donc, quels sont les outils que tu utilises? Et donc, cette méthode aussi, pour le coup. Eh bien, avec plaisir. Donc, mon parcours m'a amené effectivement à coacher beaucoup de personnes, socialement, au niveau professionnel, très, très différent. Hein, quand du PDG, du DG, je dirais la secrétaire, du particulier assez jeune, pratiquement jeune adolescent, à une personne plus âgée. Donc, c'est assez varié. Et le confinement m'a apporté une opportunité. Je vais dire ça comme ça. Oui. En entreprise, j'ai eu une demande pour faire du coaching le matin pour dynamiser la force de vente de l'entreprise, les mettre en dynamique au niveau mental, booster leur journée. Et j'ai fait un lien avec un exercice que je proposais déjà en coaching, que j'avais appelé à l'époque déjà le Wake Up Harmony, qui était un protocole de mise en situation personnelle, de ritualisation interne, sur mesure, d'accord, en fonction de ce que la personne, ça c'est important, pour qu'elle puisse adhérer au protocole, il faut qu'elle puisse aimer ce qu'elle met en place, d'accord. Et donc de là, j'ai créé le Wake Up Harmony. Alors, c'est quoi le Wake Up Harmony? C'est un coaching en live. Déjà, c'est du live, ça c'est un important. C'est du live, donc j'invite, donc il y a trois créneaux horaires en fonction du pays dans lequel on est, parce qu'on n'est pas tous en France, hein, la francophonie est très vaste. Donc il y a un coaching qui commence à 6h45, 6h45. Un autre qui est à 8h. Oui. 6h45 du matin. Ouais. Un autre. Ah ouais, t'as vu, hein? Alors peut-être que ça va, il y en a qui vont peut-être dire non, le deuxième c'est quoi? C'est 8h15. 8h15, c'est bien, mais il y en a qui préfèrent. Et il y en a à 11h45, c'est plus pour tout ce qui est DomTom, Canada, tous les autres pays francophones. Voilà, j'ai envie de faire pour le moment, il y a trois plages horaires. Alors, ça consiste en quoi? 30 minutes de coaching et live, d'accord? Durant ces 30 minutes, on va aborder une thématique, c'est pendant 21 jours. Pourquoi? Alors, pourquoi le matin et pourquoi 21 jours? Ah, je pensais que tu allais me poser la question. Alors, pourquoi 21 jours? Parce que notre mental, notre cerveau met 21 jours à accepter le changement. Je dirais à accepter, on n'est pas dans une intégration totale du changement, mais dans une non-résistance. Je préfère employer ce terme-là. Au début, il va batailler à résister à remettre un réveil un peu plus tôt, regardez, quand on veut se donner la bonne résolution de faire du sport, la bonne résolution de faire un régime, la bonne résolution d'apprendre un instrument de musique, une nouvelle langue, il y a cette résistance au début. Et après, il y a les fameuses trois semaines qu'on passe, où il y a, oh, c'est génial, j'ai repris le sport depuis 3 semaines, ça me fait grave du bien, et là on commence à prendre plus de plaisir. C'est ces fameuses 3 semaines-là, donc c'est valable pour tout, hein, pas que pour le coaching, pour l'apprentissage de quelque chose. Donc voilà pourquoi le coaching matinal dure 21 jours, donc c'est du lundi au vendredi, samedi, dimanche. J'invite les personnes qui sont avec moi à poursuivre les exercices, bien sûr, pour ne pas casser le rythme, d'accord. Donc, ça fait un mois de coaching. 30 minutes et avec des thématiques tout le temps différentes, d'accord, et qui vont crescendo, en fait. À chaque fois, on commence par un exercice interne, des exercices physiques, d'accord, et mentaux. Donc, parfois, on est muni d'un
un cahier. Donc, la personne, je dis, bon, aujourd'hui, on va travailler lâcher prise. Demain, ça va être effectivement la dynamisme, comment booster, se mettre en dynamique quand on se réveille et qu'on a complètement les deux pieds dans le même sabot, on n'est pas en forme, etc. Comment revitaliser son corps et revitaliser son mental. Ça va être comment booster l'estime de soi en 30 minutes. Il y a des thématiques à chaque fois et elles sont de plus en plus, on va dire, elles ont un sens bien approprié. C'est pas je peux faire l'exercice 7 le premier jour, non, l'exercice 1, l'exercice 2, il y a vraiment un sens à respecter. Et voilà, il y a un protocole où la personne reçoit le protocole qui va expliquer tout le parcours de ces 21 jours. Elle a un bilan d'évaluation à remplir, d'auto-évaluation. Et à la fin, elle a effectivement une espèce de bilan de synthèse à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'elle repart avec... Moi, j'aime bien dire ça comme ça. C'est comme ça que mes coachés l'ont appelé la boîte à outils. C'est une boîte à outils de 21 exercices. D'accord. Chacun devient... Ce que j'aime dire, c'est que les gens deviennent autonomes, en fait. Pour moi, c'est important. Oui. Ouais. T'as les deux choses, j'en prie. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, ça va favoriser l'autonomie derrière. Mais j'ai une petite question par rapport à ça. Pourquoi on peut venir te voir donc par rapport à ce que tu proposes? Première question. Et deuxième question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as parlé d'exercice physique aussi. Et c'est ça m'étonne. Ouais. Vas-y, dis-moi. Ah ouais. Physique, on reste dans le cadre, j'irais quelle personne qui ne fait pas de sport, une personne plus âgée, même de 60 ans. Ah, ça a bugué là. Je ne sais pas si tu m'entends toujours. Donc, la technique est revenue. Donc, l'exercice physique. L'exercice physique, en fait, ça va être des exercices qui sont applicables par tous. On n'a pas besoin d'être un grand sportif. Attention, quand je dis physique, c'est pour avoir une meilleure efficacité sur un changement interne, il faut agir sur ce que j'appelle moi le triptyque, c'est-à-dire le mental, les émotions, le corps. Donc, ça fait un triangle, d'accord? Oui. Donc, en agissant sur ce triptyque en même temps, d'accord, dans le processus de changement, le changement interne se fait beaucoup plus vite, avec moins de sens, etc. Donc, quand je parle d'exercices physiques, ils ont tous un sens. Comme j'ai été formée, moi, je suis prof de yoga aussi, j'utilise toutes les petites cordes à mon arc. Ça veut dire qu'on va tous faire du yoga, hein. C'est pas ça, parce qu'il y a j'ai pris des exercices qui ont un but bien précis. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est une posture de yoga qui s'appelle le poisson, où on met les mains derrière le dos et on ouvre le torse, on se penche un peu en arrière. C'est un exercice qui va ouvrir la cage thoracique. Voilà, une ouverture du cœur. Et souvent, quand je donnais des cours de yoga l'été dernier en plein air pour des copines, eh ben, il y avait effectivement de temps en temps quelque chose qui se passait au niveau de l'ouverture de cœur, parfois même des petites larmes qui coulent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a eu un truc qui s'est décroché. Donc on sait bien que cette posture a un impact au niveau émotionnel, d'accord. Après, il y a une autre posture, celle pour lever par exemple, qui joue beaucoup sur le nerf vague. Donc voilà, alors il n'y a pas que des exercices de yoga, il y a l'exercice de la montagne, mais qui est autre chose, très dynamique. Quoi qu'il en soit, c'est jamais des exercices compliqués dans la réalisation. C'est uniquement les personnes qui ont un certain handicap physique, on va dire, qui ne peuvent pas le faire. Oui, à partir oui. du moment où on n'est pas du tout sportif, on peut le faire, voilà, c'est accessible à tous. D'accord. Il y a toujours un sens, c'est relié. Parfois, il y a deux exercices. Il y a un physique et un mental dans la même session. Il y a 5 ou 6 sessions, il y a 2 exercices à chaque fois. Il y a toujours un sens dans la combinaison de l'exercice physique et l'exercice mental que j'ai pu mettre en place. Et voilà, le but, c'est que ce soit facile à faire, mais ça puisse déclencher les ondes alpha du cerveau, puisqu'ils sont les ondes qui permettent à notre mental d'être calme, vif d'esprit, clarté d'esprit, augmentation du système immunitaire. Donc en fait, c'est les ondes qu'on ne produit plus beaucoup quand on est en gros stress total, burn-out, etc. Donc c'est celles qu'il faut aller
rechercher pour reproduire. Et quand je parle d'autonomie, c'est ça. Je fais, à partir du moment où on a compris les mécanismes internes, on se dit, mais oui, mais c'est ça. Il faut juste que je mette en place des exercices qui vont booster mes ondes alpha, qui vont changer ma plasticité neuronale, donc avoir un impact sur mes cellules corporelles. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est génial. Ah non, mais... Hop, voilà. Mais c'est fou parce que tu nous donnes déjà des clés, là. Tu nous donnes déjà des clés. On est sur ça. C'est ça. Mais tu nous donnes déjà des clés. T'es impressionnante. Hein. Voilà. Bah, c'est, si ça peut vous donner envie d'en savoir plus, c'est bien. Et d'être curieux sur vous-même. Voilà. Génial. Donc, ouais, c'est plus fort que moi. Oui, je vois ça, c'est pour ça que je le relève. Donc, dans mes questions, il y avait, parce que ça, c'est une question, je pense que les téléspectateurs peuvent se poser. Donc, quand tu fais le réveil matinal, hein, en fait, parce que quand on traduit le réveil en harmonie, hein, par rapport à ta méthode, on vient te voir pourquoi à la base. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Quand les gens achètent, dis-moi si j'ai bien compris, c'est ta question, c'est quand les gens m'appellent pour le Wake Up Harmony ou quand les gens m'appellent en général, parce que je suis du coaching aussi autre que le Wake Up Harmony. Oui, mais là, on parle de Wake Up Harmony, donc par rapport à ça, qui t'appelle en fait? Enfin, les personnes qui t'appellent, pourquoi tu veux faire ça? C'est, alors déjà, souvent, ils achètent directement en ligne, c'est parce qu'ils voient, comme c'est un pack. Ça a commencé en octobre, je précise, donc c'est tout récent, c'est la deuxième session. Et si je parle des premières personnes qui se sont inscrites en octobre, ça a été des personnes curieuses qui ont été, alors quand elles ont échangé avec moi après, c'est j'ai été interpellée par telle phrase que tu as dit dans ta vidéo, et quand j'ai été chercher l'information dans le protocole, dans la description du protocole du Wake Up Harmony, c'est cette approche globale, en fait. Une approche globale de connaissance de soi pour se dépasser. Quand on vient me voir, ce n'est pas forcément pour un bien-être. Oui. On va dire plus, c'est pour un mieux-être. C'est pour un mieux-être. C'est mieux se connaître, mieux se dépasser. Je n'ai pas eu beaucoup dans la première saison. Je n'ai pas eu, je réfléchis, hein, de personnes forcément... dans un état, contrairement à ce que je vois des fois en coaching, parce que j'interviens aussi pour le, je suis spécialisée en gestion du stress, burn-out et autres, c'était pas ces profils-là, c'était des personnes ou curieuses, ou envie de se dépasser, ou envie de travailler de lâcher prise, j'ai eu ça. Ça, c'est intéressant parce que ça reste très abstrait comme notion de lâcher prise pour beaucoup. Oui. Et une envie de se dépasser, d'exprimer une meilleure version de soi. Voilà. Ok, donc ça c'est. Là, je suis claire, Ça c'est dit, c'est très clair et c'est très bien. Donc ça veut dire aussi que qu'on n'a pas besoin d'avoir une problématique, qu'on a juste envie de se dépasser, on a juste envie de mieux se connaître ou d'être mieux dans ses baskets, tout simplement, d'une manière générale, en ayant des outils en fait après à utiliser au quotidien. Exactement, tu as très bien résumé. Super. Pour le reste, au niveau des outils que tu utilises, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus pour tes autres séances de coaching, grosso modo, hein, Alors, mes autres séances de coaching, j'utilise les neurosciences et l'épigénétique. Alors, je suis forcément attirée par la technologie aussi. Donc, j'ai également des biofeedbacks. Pour mesurer l'état interne et pour mesurer également, je parlais tout à l'heure des ondes cérébrales, tu sais, delta, alpha, bêta, theta. Donc, j'ai des outils qui mesurent à l'instant T, effectivement, c'est l'état d'être, une espèce de cartographie du moment. Hein, parce que je ne suis pas médecin, c'est juste une cartographie. Et il ne faut pas oublier que c'est des algorithmes. Donc, j'aime bien mettre les choses en cadre. Par contre, c'est des algorithmes qui sont assez bien faits, puisque si on estime que le biofeedback que j'utilise, c'est à peu près fiable à 87%. Donc, c'est pas mal. Ouais. Donc, je n'ai jamais eu de personnes qui ne se sont pas reconnues dans la mesure, en fait. C'est des mesures biofeedbacks. Voilà, j'utilise également une lampe qui s'appelle une lampe hypnagogique, qui est un neurostimulateur. Génial. Ça a été mon petit coup de cœur il y a 4 ans, 3 ans et demi quand je l'ai acheté. Donc, que j'utilise en entreprise, contrairement à ce que beaucoup
personne surprise, mais tu l'utilises en. Oui, c'est un. Donc, ça met la personne en état d'auto-hypnose. D'accord. Il y a 120 programmes. Donc, je choisis le programme en fonction de l'objectif de la personne. Donc, ça, il faut être présentiellement physiquement. On ne peut pas faire sur Skype. Après, voilà. Là, c'est le présentiel est obligatoire. Oui. Et après, j'utilise beaucoup d'autres techniques, les odeurs également. J'essaie de travailler avec les cinq sens beaucoup. Mmh. Je travaille avec le son un petit peu. Donc, comme j'ai été curieuse, je suis curieuse sur ce qui peut faire bouger l'être humain. J'ai fait également des formations sur les bols tibétains, le son, l'impact du son sur le corps. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est ce que j'utilise beaucoup, mais accessoirement, c'est aussi ma boîte à outils à moi. Okay. De temps en temps, si jamais je me dis, cette personne, j'écoute mon intuition, les neurones du cœur, je les écoute et il m'arrive, je te donne une autre piste, t'as vu? Neurones du cœur. Donc, t'as vu, ça fait ça, ouais, j'ai senti. Et donc, du coup, ça m'arrive de l'utiliser. Même si je sens que tu... Et voilà, maintenant, en ce moment, en cette période où le webinaire est très actif, le coaching matinal est beaucoup plus présent. Mmh. Et le coaching individuel, parce que le coaching matinal, on est bien d'accord, on est tous sur la plateforme, hein, mais par exemple, une personne, c'est un créneau horaire. Et après, s'il y a le coaching classique par, je dirais... visio, où j'utilise les neurosciences, l'épigénétique et voilà, tout le reste. Génial, génial. Bon, eh bien, vous n'avez plus qu'à essayer. Hein. Moi, ça me tente, en tout cas, Agnès. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, n'hésitez pas, sachant que vous avez vu cette belle énergie un petit peu d'Agnès. Hein, elle nous envahit à travers l'écran, donc c'est formidable. Il faut en profiter, donc je vous encourage vivement à en profiter, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance. Hein. Donc l'avantage, c'est que vous pourrez vous réveiller avec Agnès donc le matin très tôt ou un peu plus tard, voilà, en étant boosté pour la journée et puis en ayant des outils vraiment intéressants au quotidien à utiliser et à réutiliser quand vous le souhaitez. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez les coordonnées d'Agnès qui s'affichent donc en dessous de son image et vous la retrouverez dans notre espace Bon Plan Partenaire sur notre site internet bien-du-6-être.tv. Donc n'hésitez pas surtout à aller regarder pour en savoir plus aussi sur Agnès et retrouver tous ses contenus que ce soit dans son espace Bon Plan Partenaire ou sur notre application Bien-être. Merci beaucoup Agnès, merci pour cette belle énergie, pour ce bon moment. Merci à toi, merci pour tout. À bientôt. Ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao, à très bientôt Agnès et à très bientôt également, chers téléspectateurs. Au revoir. Ouais, à bientôt, ciao, ciao.